qu'on fait, on aide à installer, faire les entrées, les plats, les desserts. Moi, je suis trisomique 21. Je rêvais de faire de la restauration. C'est plutôt un travail en or pour moi. La journée de Caroline, 25 ans, commence comme celle de n'importe quel salarié. Je regarde à droite, à gauche, et je fais un signe de la main. Mais pour se rendre au travail, elle a dû apprendre le trajet par cœur. Bonjour. C'est vrai que moi, je me sens un peu différente. Je ne veux pas que tout le monde s'inquiète davantage pour moi. Je vis ma vie. À Nantes, ce restaurant ressemble à beaucoup d'autres. Pourtant, comme Caroline, 7 employés sont ici trisomiques. Je l'enfile comme ça. Et voilà. Les filles, je veux plus rien voir là-dessus. Vous débrouillez. Vous depuis des semaines, Farida les forme en cuisine. Je veux plus rien voir sur la table. Vous parlez comme un vrai chef. Ça m'arrive. Ça m'arrive. Lui, c'est Antoine. Beau, intelligent, costaud, oui. Antoine a 31 ans. Gentil, gentil. Tous les deux ont dû apprendre le service à leur rythme. J'ai une lenteur. Je suis pas rapide. Je me bats pour bien faire. Marie-Noëlle, on va faire une petite photo. À l'origine de ce projet, Flore, 26 ans. Elle s'est lancée un défi. Trop concentrée. Faire évoluer le regard sur le handicap. J'ai un de mes grands frères qui est trisomique, donc j'avais envie de travailler sur le handicap. Son objectif, briser leur isolement. J'ai des collègues de travail où j'arrive, je suis fatiguée, je repars, je suis heureuse. La journée est terminée pour Antoine. Ses parents sont venus le chercher. Il vit toujours avec eux. Mais pour lui, gagner le SMIC, c'est un premier pas vers l'indépendance. Il récupère les journaux, vous savez, près des agences immobilières parce qu'il veut un appartement. Enfin, le grand soir est arrivé. L'ouverture du restaurant. Hop, allez, il n'y a plus qu'à. Les premiers clients arrivent. Dans la salle, il a fallu repenser toute l'organisation. Alors dis-moi tout. Moi, si je prends le pirate, ça va. Une carte réduite. Et pour éviter le stress au moment des commandes, c'est au client de tamponner son choix. C'est coché. C'est validé. Alors, tout est fait. Ça y est. Vous n'avez pas été trop déstabilisé au départ ? Non, pas du tout. On est vraiment super bien accueillis, très chaleureux. Ces personnes ont leur place tout entière dans la société, et dans des endroits comme ça, bien évidemment. Côté cuisine, il y a aussi des astuces. Ça va ? Et en fait, on est venu ancrer l'empreinte des mains sous l'assiette pour lui donner du relief et puis apporter en fait de l'assurance et de la stabilité lors du service. Mais surtout, au moment du coup de feu, quand la pression monte, il faut sans cesse rassurer. Il y a des silences qui veulent dire plus que certains mots et du coup, on laisse parler un peu l'émotion et puis l'illustration là-bas. Dans la salle, les commandes s'enchaînent. Les parents ont eux aussi réservé. Et très pro, hein.
Ah oui, très pro. Allez, mon cher. Et tu fais l'eau qu'un geste. Attends, l'eau, c'est au bar. C'est maintenant. Chérie. Voilà. À tout à l'heure. Oui. C'est inespéré. C'est fier de votre fille. Paris réussi pour Antoine, Caroline et Flore. Vous êtes contente de votre première soirée? Ouais, super. Super, une super journée, une super soirée. Grâce à elle, voilà. Bah non, grâce à vous. C'est vous qui avez fait le boulot, hein. Moi, j'ai rien fait. Et dès la première semaine, le restaurant affichait déjà complet, pour le plus grand bonheur de ses employés.